On est que si préparatif au 10e anniversaire Super Étoile de Dakar avec la tournée sénégalaise bien ramené donc def à Poudjab donc nous avons tambali sax suba ci mbour ñu koy dem ciep ci Sénégal. J'ai commencé à faire la musique à l'âge de 13 ans parce que ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai grandi dans la grande maison où vivaient mes grands-parents qui sont des griots du côté de ma mère. On organise la nuit des veillées où n'importe qui peut prendre les bâtons, essayer de chanter ou animer, et quand j'ai essayé de chanter, j'ai eu beaucoup d'encouragement de mes amis, des gens du quartier. Mes grands-parents revenaient chaque fois avec des chansons pendant des fêtes et revenaient avec même des boubous, des chevaux, des choses qu'on les avait données à partir des fêtes qu'ils organisaient. Et je vivais dans cette grande maison où se passait beaucoup de choses de griotisme. Et j'ai eu envie de moderniser ça, de faire la musique, de chanter. Oh.
Je suis un griot moderne. Je ne peux pas expliquer exactement les racines, la réalité même d'un griot, parce que je ne l'ai pas vécu. Et effectivement, je n'étais pas très curieux dans ce sens. Mais je sais que le griot, en général, c'est un conteur, c'est un raconteur d'histoire. C'est quelqu'un qui gardait l'histoire quand il n'y avait pas la possibilité d'écrire ou d'enregistrer comme aujourd'hui qu'on fait. Et pendant une occasion, il parlait de tes louanges, d'où tu venais, de ton histoire. Il aussi donnait des messages à la population. Il donnait même des fois des messages qui servaient pour le peuple. Et c'est quelqu'un qui aussi animait les retrouvailles. Et c'était quelqu'un très cher pour par exemple, les rois qui étaient à l'époque les guides de notre tradition, de nos pays. Yeah, one.
C'est une ville que j'aime beaucoup, Mbour, parce que en général mes tournées au Sénégal commencent toujours par ici. Ma musique, c'est d'abord la tradition, parce que j'ai grandi dans une ville comme Dakar où j'ai vécu pratiquement des choses modernes. Il y a des sonorités, par exemple, rock dans ma musique, pop, qui ont des sons très, très occidentaux, mais l'expression, elle est toujours africaine. Je pense que la tradition reste quelque chose de très important pour moi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais, en tout cas, se reconnaissent dans ma musique. Moi, je fais de la musique africaine urbaine que peut-être les Européens ou les Américains, Japonais, l'Occident ne connaît pas encore ce visage de l'Afrique. Ma sama jalo ki ci barsi noy ki ya
On l'aime parce qu'on aime ce qu'il fait. Bon, on aime sa musique. Nous sommes des Africains et nous aimons la musique africaine. Et Youssou N'Dour a beaucoup fait pour la musique africaine. Voilà pourquoi nous soutenons les œuvres de Youssou N'Dour en un mot. Masoukoudé, Guini Manokonto, Masoukoudé, Masoukoudé, Yeh, Hale, Riumi, Nila Koubouti, Bissim Lagni, Tidido, Deloussa Kounia, Dignan Yalomou Nangou, C'est ce qu'on appelle la teranga chez nous. Et c'est la grande famille, c'est chez le marabout. On est invité ici chaque année, quand on vient à Kaolack, ils nous font l'honneur de nous inviter, de nous donner à manger avec toute l'équipe. Et ils dépensent beaucoup d'argent avec l'énergie qu'il faut, tu vois, l'enthousiasme. Et c'est traditionnel, pratiquement chaque année quand on vient. Bon, même si on a prévu quelque chose, on est obligé de venir ici parce que c'est on est là même. Vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de soucis, vous Thank you.
ta famille. C'est un exemple pour les Sénégalais. Pourquoi? Parce qu'il est la jeunesse surtout. Et c'est la chose la plus importante pour nous. Yarudula wanyidar wa wa yarna Sayaro majdangal baye sunega wa wa yarna Yarudula wanyidar Je me rappelle en 85 quand j'écrivais la chanson Nelson Mandela sur l'histoire de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Et c'est à partir de cette chanson que beaucoup d'analphabètes dans ce pays ont compris ce qui se passe réellement en Afrique du Sud, le problème de l'apartheid. Et ma mère même, qui ne comprenait pas avant cette chanson, a dû comprendre beaucoup de choses sur l'apartheid. Donc, je pense que d'abord, c'est le rythme, c'est la chanson, ce sont les mélodies. Ensuite, les gens y réécoutent et ils essaient de passer à l'acte parce que ce sont des paroles positives peut-être pour eux. La première fois que je rencontre Peter Gabriel à New York, aux Nations Unies, un concert où il m'avait invité, il a joué la chanson Steve Biko et j'avais des frissons, c'est vrai. White, so only one color.
On l'aime parce qu'on aime ce qu'il fait. Bon, on aime sa musique. Nous sommes des Africains et nous aimons la musique africaine. Et il nous aura beaucoup fait pour la musique africaine. Voilà pourquoi nous soutenons les œuvres du Sundo en un mot. Masukude, Gini Manokonto, Masukude, Masukude, yeah, Hale, Riumi, Nila, Bissim Lagni, Tito, Delusakunya, Dignan Yalo Munangu, C'est ce qu'on appelle la teranga chez nous. Et c'est la grande famille, c'est chez le marabout. Et on est invité ici chaque année, quand on vient à Kaolack, ils nous font l'honneur de nous inviter, de nous donner à manger avec toute l'équipe. Et ils dépensent beaucoup d'argent avec l'énergie qu'il faut, tu vois, l'enthousiasme et tout. Et c'est traditionnel, pratiquement chaque année quand on vient, bon, même si on a prévu quelque chose, on est obligé de venir ici parce que c'est on est là même. Yarudula wanyidara. Wow.
Je me rappelle en 1985, quand j'écrivais la chanson Nelson Mandela sur l'histoire de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Et c'est à partir de cette chanson que beaucoup d'analphabètes dans ce pays ont compris ce qui se passe réellement en Afrique du Sud, le problème de l'apartheid. Et ma mère même, qui ne comprenait pas avant cette chanson, a dû comprendre beaucoup de choses sur l'apartheid. Donc, je pense que d'abord, c'est le rythme, c'est la chanson, ce sont les mélodies. Ensuite, les gens y réécoutent et ils essaient de passer à l'acte parce que ce sont des paroles positives, peut-être pour eux. La première fois que je rencontre Peter Gabriel à New York, aux Nations Unies, en concert où il m'avait invité, il a joué la chanson Steve Biko et j'avais des frissons, c'est vrai. Zumanistate.
Je me rappelle en 85 quand j'écrivais la chanson Nelson Mandela sur l'histoire de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Et c'est à partir de cette chanson que beaucoup d'analphabètes dans ce pays ont compris ce qui se passe réellement en Afrique du Sud, le problème de l'apartheid. Et ma mère même, qui ne comprenait pas avant cette chanson, a dû comprendre beaucoup de choses sur l'apartheid. Donc, je pense que d'abord, c'est le rythme, c'est la chanson, ce sont les mélodies. Ensuite, les gens y réécoutent et ils essaient de passer à l'acte parce que ce sont des paroles positives, peut-être pour eux. La première fois que je rencontre Peter Gabriel à New York, aux Nations Unies, en concert où il m'avait invité, il a joué la chanson Steve Biko et j'avais des frissons. Pico, 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 Pico.
mouvement, il nous invite à être plus propres envers nous et envers notre société. Mon dernier album s'appelle C'est parce que j'ai écrit une chanson en parlant de l'aspect propre, de la propreté mentale, de la propreté dans l'environnement. Et cette chanson a inspiré effectivement, comme je le voulais, la jeunesse sénégalaise à s'investir humainement, à faire de leur quartier, à rendre leur quartier propre, et ça les a inspirés. C'est un phénomène populaire qui concerne non seulement Dakar, mais l'ensemble des villes sénégalaises. C'est un phénomène artistique et culturel extraordinaire. Ça a permis à des jeunes talents, à des décorateurs, à des musiciens, à des sculpteurs de se faire connaître. Je crois que c'est l'embellissement du cadre de vie de Dakar que ce phénomène sociétal a permis de créer. Et c'est un phénomène populaire parce que ce sont toutes les couches sociales. Les cadres, les ouvriers, les femmes, les jeunes, tout le monde est compris s'implique dans ce mouvement populaire. C'est quelque chose de spontané. C'est une envie bon, de quand même vouloir embellir son quartier. C'est tout simplement ça en quelque sorte. C'est aimer son quartier et vouloir rénover, faire quelque chose de beau pour son quartier. Gagne une influence sur la jeunesse sénégalaise. D'abord, c'est un jeune, son langage est très jeune, mais séduisant. Ensuite, il a du talent. J'ai dit tout à l'heure que c'est un professionnel de la musique. Mais je crois qu'il a fait vibrer un peu l'âme sénégalaise. Ces thèmes sont des thèmes très, très populaires. Cet thème-là a été extraordinaire. Ça crée un phénomène artistique, culturel à Dakar et dans les villes qui est prodigieux. Et je crois que Youssou a beaucoup aidé à cela. Et puis, il a des chansons populaires. Il a beaucoup de succès chez les jeunes et les femmes.
calme le rimétinant. Yeah. Comme ça, on peut tout nous aller dans le livre donné. Mais try, try, try. We try to be strong. Be strong to be strong. Be good to try. Nous voulons travailler avec Yusnou parce que nous l'aimons. Yusnou est notre parrain. Sénégalais surtout est bien connu en France, elle est bien connue en Europe d'une manière générale et aux États-Unis. Pour prendre l'exemple de Yusnou qui est un peu connu maintenant, qui va jusqu'au Japon. Et Yusnou fait des émules, c'est des émules. Et je pense que Yusnou c'est un peu de locomotive. C'est un modèle pour beaucoup de jeunes et c'est pourquoi d'ailleurs nous pensons qu'il faudrait que les jeunes puissent s'inspirer de son expérience. Car il y a chez Yusnou, je crois, le talent, mais également il y a le professionnalisme. Et ce qui manque beaucoup aux jeunes musiciens sénégalais, c'est le professionnalisme. Il faut qu'ils puissent s'organiser comme Yusnou l'a fait en état du Sapo. Et je crois que la musique sénégalaise est pour le mieux en bel avenir. Il faudra certainement des blocs de pierre. Oui, ouais. Ouais, c'est un projet studio. Donc, j'ai eu ce terrain à partir de d'une répétition de l'année, il y a deux ans. On était venu là, on nous avait prêté une maison. Et on a répété pendant 15 jours et tout de suite j'ai rencontré les responsables du village et ils m'ont attribué un terrain que j'ai commencé à construire dans un style de grand studio et des chambres qui pouvaient servir pour les musiciens et tout. Et donc voilà, on est sur la phase du bâtiment, du gros œuvre et ça coûte cher. La Saprom, c'est une société que j'ai mis en place pour s'occuper du showbiz. Vous savez, ici au Sénégal, même un peu partout en Afrique, il n'y a pas encore d'organisation ou de structure qui s'occupe de la musique réellement. Et j'ai été inspiré par le showbiz aux États-Unis, en Angleterre, en France même. Et je me suis dit, pourquoi pas, mais il faut qu'on ait quelque chose... de ce type, par exemple, quelque chose qui, une société qui s'occupe de concerts, qui a investi sur du matériel sonore, qui a des projets de studio, qui a un label pour s'occuper des artistes. Et dans un premier temps, moi, je me suis retrouvé aussi le premier artiste quoi, de la Saprom. Et c'est une société qui développe la musique, le showbiz en général. Et il y a des jeunes qui ont cru depuis très longtemps, des gens qui ont fait l'école, et qui ont cru à ma musique et qui se sont investis pour cette société.
Et aujourd'hui, on est la première société dans la sous-région qui s'occupe de showbiz. Et je pense que je l'ai fait pour la musique en général. Alors financièrement, comment est-ce que cela s'est présenté? Bon, je pense que nous avons obtenu des résultats quand même satisfaisants. Vous vous rendez compte qu'il y a plus d'artistes africains aujourd'hui en Europe, en France, qu'ici. Et moi, mon job, c'est d'essayer de pousser les choses à partir d'ici. Le 10e anniversaire est un événement pour moi très important parce que depuis 10 ans, quand même, avec l'orchestre, nous avons fait beaucoup de chemin, voyagé, et je pense que cet événement est aussi important. Et il y a d'abord la population du Sénégal qui va venir fêter ça avec nous. Il y a les autorités qui ont accepté de venir comme invités. On voit le truc là.
feeling de couleur, je l'ai fait venir, j'ai photographié la carte. Je me considère comme le protecteur des arts et lettres dans mon pays. Je place également mon quinquennat sous le signe de la jeunesse. Et à ce double titre, je dois m'intéresser à ce que fait Youssou N'Dour, surtout qu'il a un talent immense. Et ma motivation, c'est donc de rendre hommage à Youssou N'Dour, à son talent, à ses réalisations, mais aussi de rendre hommage à travers lui à la musique sénégalaise en plein essor et à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise.